Je suis le papa d'une petite fille de 5 ans. Comment l'aider à me faire part de ses émotions? Pour qu'un enfant arrive à gérer ses émotions, il faut tout d'abord qu'il puisse les exprimer. Il apprendra alors petit à petit à les apprivoiser, à mieux les reconnaître et à les maîtriser. Mais pour cela, il a besoin de ses parents. Car entre 3 et 6 ans, il ne sait pas encore donner du sens à tout ce qu'il ressent et se laisse souvent déborder par la colère, la tristesse ou la peur. Diverses stratégies peuvent aider votre petite fille à devenir plus compétente par rapport à ses propres émotions, celles des autres, et à vous en faire part. Pour cela, elle a besoin de vous pour l'aider à identifier à la fois l'émotion et les besoins. Pour cela, créez un moment propice d'échange aux confidences en vous assurant d'être disponible. Prenez au sérieux ses émotions sans les minimiser, sans les nier ou sans les juger. Soyez également l'exemple. La manière dont vous allez parler et gérer vos émotions impactera la manière dont elle le fera aussi. Et n'hésitez pas à utiliser un support tel que le jeu ou le livre qui peuvent aussi être des médias intéressants. Pourquoi est-ce important d'inciter les enfants à exprimer leurs émotions ? Parler des émotions permet aux enfants de développer leur intelligence émotionnelle, ce qui leur donnera les clés pour maîtriser leurs émotions, mieux comprendre celles des autres, développer l'empathie vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Il s'agit d'une compétence fondamentale dans leur construction identitaire et dans leur socialisation. Bien gérer ses émotions permet à un enfant de mieux réagir aux différentes situations de la vie, mais aussi d'avoir de bonnes relations avec les autres. C'est un apprentissage qui se fait avec l'aide des parents et qui passe par l'expression et la reconnaissance de ses besoins. Pour en savoir davantage à ce sujet, rendez-vous sur la page web Air de Famille, émotion de 3 à 6 ans. Retrouvez Air de Famille chaque semaine dans Soir Mag et Soir Mag Plus.